Ouais, salut YouTube, c'est Baldur's Gate 3. C'est la suite de nos aventures. On est au sein d'un bosquet de druides très accueillants et chaleureux qui méritent qu'on leur pète la gueule, globalement. Ce que nous ferons avec un plaisir certain, je ne m'en cache pas. Pardon, mon ours. Eh, tu peux t'écarter, je dois prendre le monde de charge. Casse-toi! Ça va être bien utile, je pense, ce pouvoir de Will. Non, c'est pas l'ours qui parle, c'est Will, il peut lancer à volonté communication avec les animaux. Grâce à son pouvoir du niveau précédent. Montez sur ce putain d'ascenseur! On se barre un peu de ce bosquet à con, explorer le camp aux alentours. Enfin, les trucs aux alentours. On va voir si on peut faire un repos. Allons dormir. Let's go, Tao Tao. This seems as good a place as any to make camp. Ah, mais elle parle alors! Ouais, bon, ça va, la feu forme. Yes, me as well. Besides the occasional mental exchange, it's almost as if we're not infected. I feel good. It's so strange. Do you remember the voice aboard the ship? Difficile d'oublier. Yes. Almost like it's whispering to me still. The voice said I'd become a beautiful weapon. What do you think that means? Oh, je sais pas, mais peut-être qu'Alcine le saura, si on trouve. Agreed. We can't take the lack of symptoms for granted. All right. I've kept you from your blanket long enough. Rest well. Allons dodo pour regagner nos points de vie. Ok. On va dire que c'était tout à fait normal. Alors, barrons-nous de ce camp à la con. Et voyons voir ce qu'il y a dans la région. Explorons. On avait ramassé le matos des gobelins, je suis plus sûr. A priori, si. Ouais, on avait tout ramassé. Alors, point de passage du bosquet de Sylvanus là-bas, très bien. Ça donne pas envie au rap écologie des verts. Ah non, depuis qu'ils sont devenus des extrémistes, allez, ils me font flipper, hein. Donc, oui, pour sauver le monde, on tue des enfants, on t'empoisonne avec une espèce de branche dégueulasse. Qu'est-ce qu'elle aurait pensé de tout ça, Dominique Voynet? Ouais, des gens. Zoru was right. Yellow as a toad. Eh, mais c'est notre copine. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you? Oh, a guest. Your skull. Alors quand même, quand le mec est en mode oui, elle est jeune, comme un crapaud et tout, j'ai envie de lui dire, est-ce que t'as pas vu ta gueule quand même? Avec tes deux grandes cornes, ta peau toute rouge. You again. Get rid of them. Eh, hey, dangereuse, barrez-vous. Attention, le jet de charisme. Notre spécialité. Ouh, incroyable. She's right. Let's go.
We need to check out that blast. Comment c'est l'explosion? You didn't hear it. Shook our camp good, so we came for a look. Ouais, c'est quoi? Il est où ce copain? Charisme est beaucoup utilisé. Ouais, mais ça c'est normal, c'est limite la marque d'un bon jeu, d'un bon RPG d'après moi. Donc hein, quand le charisme est beaucoup utilisé, charisme, intelligence, sagesse. Northwest. Look for Nettie. Whatever your wound. Ah oui, Nettie. Bien sûr, elle pourra me soigner. Nymessa, come. Elle est partie en congé, quelque temps. Enough gawking. Get me down. Vous pouvez être plus poli que ça. Never. Ok, c'est bon. Brûle. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Mais tu sais qui, c'est la druidesse qu'on a un petit peu massacré. Non, c'est la druidesse qui nous a empoisonné. The cure for this infection. I must find a crèche. You will join me. Lies. Just get rid of her. Une crèche, qu'est-ce que tu veux faire avec des enfants? It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a geek tadpole, we must. Ouais, il va avoir du mal à soigner les filles. Elles vont pas très bien en ce moment. Ouais, sinon tu pourrais juste dire merci. You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer. Ça va être une grosse casse-couille. Hein. Mais ça va être une guerrière correcte. Ouais, vas-y. Tu mourras la première. Few know such fortune. Call me Lazelle. Fool. No point in showing a mad dog kindness. It'll still bite you in the end. You've a sharp tongue, elf. Would that your mind proved its equal. Half elf. I suppose the finer details are lost on a creature like you. Come. The horned ones mentioned a camp. One there, this Zoru. Has seen Githyanki. A crèche must be near. We will ask this Zoru where. Ah ouais, ça balance, hein, ça. Pour l'instant, tous les compagnons ont l'air adorables, hein. À part Will, qui a l'air vraiment, pour le coup, honnêtement, le mec bon. Les autres ont tous l'air d'être des connards. Alors, une petite passive. Bonus de plus 1 AC alors qu'on porte une armure. C'est pas mal, ça. Sachant que nous, on est déjà en mode dégâts avec notre épée à deux mains, c'est peut-être une bonne idée de la foutre en mode tank avec un bouclier, une épée et une armure. Arme à distance, on s'en fout. Duel. Plus 2 jets de dégâts avec une arme à une base, pas mal. Arme à deux bases qu'on a. Protection. Ah, on peut protéger une créature qui est juste à côté. Mais c'est chiant, ça empêche d'aller très proche. Au lieu de défense, on va en faire un tank. Il y a un arc court. Là-bas, l'entrée des ruines. Il y a un Jean. Blastro! Ah bah tiens, ça va être l'occasion de jouer un petit peu avec les trucs qu'on peut faire. On va te pousser. Ça pique, hein? Y a pas d'action retardée, c'est dommage. On va faire avec. Tout a l'air lourdement armé. Procureur, déjà tu vas aller jusque là. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider tout le monde? Précation, déguisement, charme. Ah bah tiens, charme personne, c'est marrant ça. Sur Fiergodé. Et hop là.
Impec. T'as pas d'arme à distance. Ok, il y a eu un sommeil qui a été balancé. Il y a un mec qui a pris un piège. Il s'est relevé parce qu'il a fait une petite chute. C'est que ce nom de PNJ, Fier Godé, mais c'est trop bien pour un... Pour un Hobbit. Enfin, Halfling, pardon. 18 points de vie. Bah ouais. Maintenant, il n'y a plus que 8 points de vie, ça me va très bien. Bah, de où t'attaques, t'es charmé, toi. Incapable d'attaquer le lanceur de sort, c'est dernier. Ah, d'accord. Ça ne protège que le lanceur de sort. Bon, ça va. Pas de 6 points de dégâts, c'est mis en point. On va le garder pour une meilleure occasion. C'est raté. Will. Je peux te lancer ton arme de givre. Eh ben dis donc. Alors, la Z. Je vais pouvoir tenter. Hop, le petit saut derrière dans le dos. Alors, on va essayer de finir lui. On va finir Taman. Boum! Niveau supérieur pour tout le monde. C'est très bien. Décidément. En même temps avec ta position, ça m'aide pas. Nul. Déception. Ok. Toi 13 10, toi 13 12. On va essayer de se faire la magicienne. C'est le crit. Mais c'est pas un gros crit visiblement. C'est quand même, c'est pas mal. Will, t'en es où? T'en es que tu vas attaquer lui. Raté aussi, bravo. La magotte elle bouge. Ça pique un peu. Mais c'est pas possible. C'est quoi cette annonce de probabilité de 91% quand il faut faire au moins 7 OG d'attaque? Il y a un truc qui va pas dans le calcul. Ou alors il y a un même avec l'avantage, mais... Je vais faire un second souffle parce que t'as perdu pas mal de points de vie. C'est quoi? C'est j'ai tout pourri. Bon, Jocelyne, tu vas te... Tu vas lui expliquer la façon de passer, penser à la magicienne. Et à l'archer. Alors, toi, tu prends ton attaque d'opportunité déjà. Oucha, ça picote. Alors, toi, t'es... Enfin, tu dois te déplacer pour le voir, tu dois tirer sur l'autre. Raté! Will sur Fiergodé! Il est mouru! Il est Wyatt. T'arrêtes un peu, toi! Il y a une naine pas contente qui va arriver dans deux secondes, tu vas voir ce qui va t'arriver. Accélération pour aller un petit peu plus vite. C'est pas grave. Mmh.
tenter l'arnaque. C'est très bien ça. Petit saut de cabri. Et cabri. Ah, on a plus d'action, j'allais dire. Cabri, c'est fini, mais. Oh, bien, on peut utiliser une sursaut d'actualité. Bon, on va aller. Pas encore morte la mago. Fichtre. Pour l'instant, quand même, je trouve que ça manque. Puisqu'on parlait des PNJ, ça manque un petit peu de PNJ bienveillant et sympathique. Hein. Le fait que tous les PNJ qu'on puisse recruter soient liés par le tétard dans la tête, ça fait quand même faciliter l'écriture sur les raisons de recrutement. Mais bon. Ça manque de vrais personnages avec des vraies motivations. Patate de forain. Voilà. Adios muchachos. Voilà. Très bien. C'est un peu linéaire pour le moment, je suis d'accord. On va pouvoir récupérer du loot. Quasi tous les personnages. Ouais, bah en fait, tous les compagnons ils sont, ils rejoignent parce qu'ils ont le verre dans la tête. Donc pour l'instant, c'est quand même ultra facile dans l'écriture. Armure d'écaille, c'est bien. Épée longue, de l'or et Agathe the Blue, c'est parfait. Un bouclier qu'on va pouvoir filer à. Je pense qu'il faudrait recruter un mage dans le besoin qui va aller tuer une sorcière. Je me demande de qui tu peux parler. Est-ce que ça serait pas un peu un mage rouge comme ça qui voudrait tuer une sorcière capturée dans une forteresse gnoll, par exemple. Une armure de cuir et de la thune. Et la mage, elle avait quoi? Un parchemin, de l'or, un bâton et une robe. Alors, on avait récupéré le bouclier qu'on va pouvoir filer à l'Aizel. Hop, puis le reste, on va se le garder pour l'instant. Si, elle avait pas d'arc non plus, je crois. Évidemment, si. Et du coup, c'est nous qui n'en avons pas. Si. Ça doit être huile, du coup. Laisel est équipé en épée bouclier, c'est très bien. Du coup, je dois avoir une serre à peu près correcte. J'adore le rouge, bonne idée. Oui, bah oui. Alors, niveau supérieur. Vos aptitudes passives de classe. Attaque menaçante. Vous dépensez un dé de supériorité pour infliger un D6 plus 1 plus un D8 performant pour avoir une chance d'effrayer la cible. Repousser. 8 points de vie, c'est pas mal. Riposte. En général, faire peur aux gens, c'est chiant. Donc... En plus, ça va être une liche de tir puissant. Si, c'est vrai. Maître de guerre, fort de sa longue expérience sur le champ de bataille, le maître de guerre de la stratégie à perdre la maîtrise des manœuvres tactiques lui permet de dominer ses adversaires. Ok. Ou chevalier occulte. Avec des tours de magie et des sorts. Non, c'est pas trop le genre de la maison. Je pense qu'on pourrait rencontrer quel perso du 1 et du 2. Alors je suis quasiment sûr qu'ils vont mettre Minsk. Parce que je sais que beaucoup de gens aiment Minsk, même si c'est pas vraiment mon PNJ préféré. Je pense que bah, tout ce qui est elf, on devrait pouvoir les rencontrer. Donc je ne vous cache pas que mon petit bonheur, ce serait de rencontrer Viconia. Mais j'y crois moyen. Après, je sais pas. Il y aura des PNJ. Bah là, déjà, on a rencontré Volo, donc. Ouais, il est humain, donc il est censé être mort, mais... C'est Donjons et Dragons, hein. Sort préparé. Oui, c'est vrai que t'es une prêtresse, t'as pas besoin de te... emmerder. Tu connais forcément tous les sorts de ton niveau. Qu'est-ce que t'as de beau? Pas sur dos, on s'en fout. Balisage, c'est pas mal. Mode guérison, blessure. Pas mal non plus. Injonction ou imprécation. Tous les alliés visibles récupèrent 2 D8 points de vie. Bénédiction, c'est très bien. Pas d'immobilisation des personnes. Il était congelé. Ouais, c'est un peu Captain America, mais.
Ouais, Jairo, c'est possible. Non, je sais pas qui. Alors, est-ce qu'on va rencontrer un PJ ou pas, des anciens PJ ou pas, je ne sais pas. Après, en termes de personnages qu'on pourrait rencontrer, des PNJ qu'on pourrait rencontrer. Ouais, Imoen, ce serait marrant. Je sais pas trop. Une brume noire vous enveloppe et vous téléporte dans un endroit inoccupé, justement dans votre champ de vision. On pourrait trouver Edwin, ce serait drôle, hein. Edwin, ce serait marrant. Dans les nains, il y a Tiax qui était drôle, qui était le prêtre de Cyril complètement taré. Après, qui est-ce qu'on pourrait encore croiser? Je sais pas. Visiblement, Ramazit, il est plus dans sa tour parce qu'il est mort. À la porte de Baldur, je sais pas qui on pourrait croiser. On verra. Ça sera la surprise complète. D'accord, on peut prendre un pack de chaîne. Vous gagnez les services d'un familier, un esprit féerique par la force de la créature de votre choix entre animal, diablotin ou quasite. Ça revoque, ça serait pas mal. C'est bien, vous y avez passé tous les deux en même temps. Image miroir, putain, c'est pas mal ce point guerrier. Mais la TP c'est quand même balèze. On va prendre la TP. Et du coup, là, les ailes. Est-ce que elle, du coup, on la mettrait pas en chevalier occulte qui balance des tours de des buffs, qui s'améliore avec des buffs pour devenir plus balèze encore? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Aide à la visée. Vous devinez des défenses dont bénéficie un personnage qui vous confère un avantage sur les jets d'attaque contre lui. C'est fort ça. Résistance aux dégâts contondants, perforants et tranchants, c'est fort aussi. Et on sort à quoi? T'as des sorts de niveau 1 du coup. Armure de mage, bah ouais. Main brûlante, c'est pas mal. Ah, il y a le bon vieux projo magique quand même. Simulacre de vie, putain, mais t'as plein de sorts en fait quand t'es machin comme ça. Nappe de brouillard, graisse, charme personne, c'est pas terrible. Donc l'expéditif, grande foulée. Sommeil, hein, un grand classique des niveaux 1, mais toujours efficace. Et en tant que Gitchoki, t'as gagné sauter. Ouais, comme ça, on va avoir deux guerriers qui sont spécialisés un petit peu différents. Donc ça va être intéressant, je pense. Il y a des sacs à récupérer. Donc ouais, Sarvox, ça m'intéresserait bien. Bah, on a déjà rencontré Volo, hein, qui était dans le 1. Alors, il est anecdotique, hein, dans le 1 et dans le 2, mais... il est quand même, donc ça compte. Bon, je pense qu'on va croiser Alminster. Peut-être Drizzt. Are you Gibblebok? Everything all right out there? Comment vous voulez qu'on gère la situation? Est-ce qu'on lui dit qu'on a massacré tout le monde? Est-ce qu'on lui dit oui, c'est moi? Je. C'est moi? Ou est-ce qu'on dit oh, il a besoin d'aide? Le mec qui t'arnaque tout le temps. Ah oui, ça et moi, un variant, ce serait marrant. C'est moi, vas-y, ouvre. Après, peut-être des gens de. Je sais pas si on retournera. Putain, 10 sur 10, parfait. Je sais pas si on retournera à Château Suif. En fait, c'est plutôt des lieux qui m'intéressent que des PNJ. Toc, toc! C'était pas ton chef! C'était la naine à cariâtre! Ombre cœur, tu vas pouvoir passer au corps à corps aussi. Tiens, bim! Pour y voir dans le noir, utiliser une source de lumière telle qu'une torche ou un tour de magie qui vont faire paraître. Visant dans le noir ne crée pas de source de lumière. Y voir quand les autres sont aveugles, aussi un avantage non négligeable au combat sans deck! Ça c'est fait.
armure en cuir, épée courte, clé du bandit. Petite bouteille et une torche. Ouais. Un peu de la merde, mais bon. Pas mal des pillards. Calice en verre, une tasse de l'or, une assiette. On prend tout parce que ça vaut de la thune. Voyage à travers la jungle. Les aventures du baron von Baron et de son guide gobelin mâchoire, bravant les dangers des espèces jungles de Schult. Dommage que mon possède ne permet pas de les faire tourner, qu'on pourrait faire une partie en multi, absolument, ça serait top. No more prayers. Only dust and silence. Who are those prayers for? Normally the patron god is Orpheus. Not here. Qu'est-ce qu'il dit cette plaque hein? Ancient, indecipherable text covers the plaque. A dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. Ça a l'air sympa comme culte. Il y a un levier. Abaissons le levier. Eh, quel génie des énigmes! Putain, y'a quelqu'un! Comment vous avez réussi à passer? Bah, j'ai pété la gueule. En gros. Conchitino, tu vas attaquer en premier. Sauf que tu n'es pas assez rapide. Tu peux utiliser ton saut pour être à bonne distance, je pense. Raté! Will, tu vas essayer de te déplacer. Utilise une accélération. Au niveau de ton RP, ton perso est plus simple que Fate. Bon, je connais dessus. Ouais, Fate était quand même très. Non, mais je suis un mage. On va d'abord discuter parce que je suis un peu un gros lâche quand même. La naine. La naine est quand même d'abord un tranchoir. C'était une attaque d'opportunité de fort belle qualité. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un banc. Il y a des vases. Mais rien qui a l'air bien intéressant. Tonneau d'huile, tonneau de bois. I'm done. I can't wait to sleep. Moi, je suis toute fatiguée. T'as envie de faire un autre tour? Hop, qu'on est là, PG. Hop, rien d'intéressant. Il y a des outils de voleur. C'est quand même bien. Maintenant, il nous manque plus que, je sais pas, un voleur. On peut retourner ici. Il y a des gens là-bas. Débarrassons-nous-en. Nous y avons enlevé la prise un petit peu dans l'os. C'est pour bien. Un petit peu de points de vue temporaire. La naine, elle va aller cogner, of course. Mais non, c'est lui, pas trop mal. Coucou! Ah, d'accord, les probas pourris. Et toi, tu vas rester là. Il a un gros gourdin! Alors, Lazel, tu vas t'occuper de lui. Ziou! Le saut, c'est quand même un peu bizarre. Hop, ça c'est bon. Ombrecoeur, tu vas te soigner notre brave ami. J'en avais bien besoin. Tu vas pouvoir attaquer à l'arc sur le bœuf.
raté, mais c'est pas grave. La patate de forain, ça rate. Toi, tu vas pouvoir utiliser une technique pour... Voilà, par exemple. Attaquer la mage au corps à corps. Ce qui me semble une bonne idée. Neuf happy quote. Là, on peut filer des points de vie supplémentaires à un allié. Comme ça, il y a une brouette de PV. C'était une bonne idée. C'était une très bonne idée. Et du coup, avec les mains brûlantes, elle a défoncé son pote. T'as raté la lézale, c'est bien. C'est dommage qu'elle t'ait raté à son tour. Je lui tire. Elle patata des Forinos, c'est raté aussi. Deux ou deux? Deux. Hop. Hop. Peut-être au corps à corps pour donner l'avantage. Il utilise son second souffle. Il a raté son attaque sur Will, c'est très bien. Coup critique à 1. J'espère qu'il a honte. Ouais, d'accord. No comment. Gré. Ah d'accord, c'est l'armure de givre de Will qui a suffi à le tuer. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a gagné de l'XP pour la mort d'un équipier? Mais non, en fait, non, pas du tout. Allez, là. Oh, putain, j'ai fait exprès, en broker. Faire ça, il me dit. Voilà. Une affaire de régler. Bon, lui, il a pris cher, mais c'est pas trop grave. Bon, bien sûr, il a commencé le loot. Durement gagné. Une broigne. C'est comme une armure d'écaille, donc ça m'intéresse pas. Chemin d'amitié avec les animaux, bâton et tout. Un bouquin sur les... Un livre solidement relié racontant l'histoire d'un prêtre de char dont l'âme n'a jamais été revendiquée par la cité du jugement. C'est tout en anglais, je vais pas vous faire la traduction parce qu'on va pas passer une heure là-dessus. Registre de la chapelle. Mater, Ogma, Céloné. Ouais, mais ça ne vous aide pas pour savoir de quoi est le temple. Coffre vide, super. Une plaque. On ne sait pas lire. That's curious. Un levier. What was that? Ça a dû ouvrir l'autre porte qui était verrouillée. J'espère parce qu'on n'a pas de roublard donc ça m'arrangerait. Oui, tout à fait. En broker, tu vas re-soigner Will parce qu'il est toujours dans un piètre état. C'est mieux que rien. Ça sent les morts vivants. Un coffre opulent. 5, 10. Ah, lâche-moi la fenêtre.
petit bug. Elle voulait plus me lâcher. Un collier d'argent, je prends. 150 balles que ça coûte. Bien. De la mort et de la résurrection. Coffre doré, des bouquins étranges. Un extrait de du métatexte Rebond par Yosef Eldin. Rien d'important. 5, 10, au contour. Qu'y a-t-il de l'autre côté de la porte? Un sarcophage. Ça se passe toujours bien, les sarcophages. The text on the plaque is a mystery to you. Un conduit d'aération. I can't see any way to disarm it. Est-ce qu'on peut le déplacer? On déplace un truc dessus pour le boucher. On peut faire ça? Hop, ça va marcher comme dans Divinity. Ok, ça sent le gros piège. En mode, on ouvre le sarcophage et tout le monde meurt. It won't move. What's that? C'est toujours bien d'ouvrir un sarcophage, absolument. Toujours bien une prophétie. Bah, il va réouvrir. Une clé et le guide du vigilant. Arme de corps à corps à deux mains. C'est une lance. Lorsque la lance prend sa cible, la prochaine attaque du porteur contre cette dernière bénéficie d'un avantage. C'est pas mal ça. Ah oui, c'est des fausses agresses, c'est pas grave. Bon, fou, j'ai pas d'entendre. Ah non, on s'en fout pas en fait. Ok. Ok. Ça pique. Bon bah maintenant on sait comment ça marche. Voyons le bon côté des choses. Deuxième tentative. Plus détendu. Alors. Nous avions en effet déterminé que c'était une grosse idée de merde. Ce qu'on peut faire, c'est mettre tout le monde là-bas. Hop. Détacher. Conchitina. On va récupérer tout ça. Et qui va se charger d'atteindre. Le bouton. Quand elle y arrivera. Donc là, pour l'instant, ça lui passe entre les... Normalement, tout est désarmé. On est content.
Il y a un système de repos, oui. Repos court ou repos long. Les repos courts permettent de recharger certaines des capacités, les repos longs permettent d'en recharger d'autres. Il y a un système de ce type, ouais. Qui ressemble pas mal à ce qui se passe, à ce qui se faisait dans les anciennes versions de donjon. Un trident, c'est pas mal. Une épée à deux mains. Vivement de nouvelles classes de perso pour qu'on puisse tester le barbare. Et du coup, l'anneau, c'est pas mal. Les repos, ça permet aussi d'avoir le campement qui permet de discuter avec les PNJ, quoi. Donc, en ouvrir ces lourdes portes en chaîne. C'est la clé que nous avions retrouvée. Armed scribes. Scribes éternels, pourtant. I wonder what was so subversive about their words that they commanded protection. Donc on rentre, un bâton, vas-y, on prend. Au milieu. Le barbare n'a pas besoin de la lessive Gorzin, absolument. Pourtant, elle est vachement bien pour les autres humains. Petit passage souterrain là-bas, c'est joli. Pour explorer cette espèce de temple abandonné étrange. Il y a des cadavres partout! Il y en a partout! Le livre des dieux morts, ouvrage EPR, orné de dorures qui dresse la liste d'un grand nombre de dieux remontant aux temps immémoriaux. This book is far lighter than it should be, with such a massive lock. On peut chercher une rune à saboter ou on peut péter la serrure. Délicatesse quand tu nous tiens. C'est raté. The impact reverberates through your body. As if you just slammed a hammer into la serrure n'a absolument pas affecté. Tentative de casser l'anneau unique avec un coup de hache, ça ne marche pas, Gimli, fils de Gluin. Arcane. 15. Ah, c'est bon. The tome does not take kindly to your tampering. A feeling like pins and needles. Tant pis. Il y a un coffre lourd. On pourra peut-être la clé pour ouvrir le bouquin de part. Une broigne ou une épée longue. Ah ouais, Capi, il voulait du loot, des inventaires pleins d'armure et d'armes exotiques. On commence à avoir des trucs là. On a sauté pour atteindre une zone inaccessible. Un PO. Ouais, quand même, ça compte, les petits. Les petites fortunes font les grandes richesses. Il y a une clé lourde. Ouais, c'est peut-être la clé du bouquin. Il y a des parchemins là-dedans. Si j'étais un mage, je me régalerais, mais je suis un guerrier, donc je m'en fous. J'essaie d'ouvrir le bouquin pour voir si c'est assez correspond. On peut toujours le ramasser. As Jurgle, scribe of the dead. Mm-hmm. I think anyone still worshipped him. Jergal. Le dieu de la mort avant qu'il ait mort. Je crois que Jergal, si je me rappelle bien, c'est un des trois, donc... Un des trois ou plus. Dans les trois, c'est... Siric. Je
crois que c'est Kelemvor. Et je sais plus qui. Les trois dieux qui ont tué Myrkul et qui ont pris sa place. Et Baal du coup. Je sais pas pourquoi j'ai hésité. Y'a un bouton. Appuyez le bouton. Ouvrez la porte. Ah. Ah. Something just woke up down here. Let them come. The darkness can be to our advantage. Heureusement, on a une prêtresse. Prêtresse. Et des meurs vivants. Nombreux. Heureusement, on a une grosse hache. Je bondis tel le cabri et je hâte mon attaque. Avec un magnifique 3. Il y a 15 en CA ce petit con. Qui a des mages en plus. Ça s'annonce mal. 28 PV pour un niveau 2. J'apprécierais que vous auriez été de faire des jets de merde. Merci cordialement. Maya, Fortio. Je sais pas combien de temps ça dure ça. Deux tours, hein, c'est pas beaucoup en fait. Fichtre. Ah, sinon, Jacqueline, t'es censé renvoyer les morts vivants. Pour rappel, hein, enfin, la rumeur dit que t'es une prêtresse en fait. Canalisation de l'énergie divine, mais oui, c'est bon. On va voir assez. D'accord, il y a des armes spéciales, des talents spéciaux pour les... Putain, mais... Vous avez le droit de toucher aussi, hein, c'est pas exclu. Vas-y, le projectile magique. Bien sûr, plusieurs ennemis en même temps, c'est bon à savoir. De se reposer pour les recharges, oui. Tiens, mais c'est quoi ces jets, quoi? Ah bah oui, bien sûr. Heureusement que t'as l'enflammement qui a... Mais bordel! Mais il faut leur jet d'attaque au D4 ou quoi? Oui, ça pique. Lui, il fait clac-clac. Toi, tu vas faire ça sur l'huile. Et encore une fois, dans une phase de posture. Les aveugles qui attaquent. Leur centre, ça fait chier, ça fait cécité sur tout le monde, il me semble. Mais, eh, c'est pas possible. Je sais pas combien d'attaques consécutives ils ont raté, mais je vais faire un petit sursaut d'activité. Ah bah quand même! Premier coup réussi du combat. Pas trop tôt. Vas-y. Tu peux faire le petit saut de cabri pour te désengager sans prendre d'attaque d'opportunité. C'est pas du tout ce que je voulais faire, c'est pas grave. Eh bah ça c'est bien. Tu vas aller voir les deux autres là-bas.
Tu m'as fait peur, jeu. Toi, t'es aveugle, donc c'est... je ne comptais pas trop sur ta participation, mais tu vas pouvoir filer éventuellement l'avantage à Conchitina. Lui, il fait claque. Lui, il fait claque. Il rate. Elle aussi. Of course. Allez, ma petite naine. Je suis déçu. Déçu. La vache, c'est de quoi ça? On va laisser son... On regarde les dés. Si elle est encore vivante. Ce qui me saoule, c'est que le combat serait déjà fini si on avait fait des vies correctes, hein. Un peu comme ça. Hop, les 8 points du temporaire vont servir. Le squelette fait clac clac. Ça doit être 10, je pense, pour réussir le jeu. Bah, les ailes, de toute façon, t'es plus en état de faire quoi que ce soit. Enfin, ça commence à toucher. Et non pas créer le. Bah, c'est les probas, putain, arrête. En fait, le problème, c'est qu'il annonce des probas en pourcentage qui ont rien à voir avec le. Avec les jets de dégâts, j'ai l'impression. C'est assez perturbant. Toi, tu vas aider là, les ailes. Tout de suite. Rageux. Mais non, tout de suite les grands mots. Comme si. Moi. Plus d'action. Ça va être un petit peu au centre de l'attention. Enfin. Bon, ils doivent plus avoir beaucoup de sorts, je pense. J'espère. C'est pour ça qu'il faut clac-clac. On commence un peu à toucher, c'est bien. Ah, parfois, quoi. Ils font quoi en haut de l'escalier? Mais ils attendent, je pense qu'ils ont plus de sorts. Pas du tout rageux le fait que Lazel a 19 en CA et se prend 17 en jet d'attaque alors que depuis le début on fait des jets de merde. Non, je... franchement je le prends bien. Les probas te dérangent plus, mais elles m'ont toujours dérangé. Hop, on va de moi. Reste plus qu'huile. Impeccable. Lui, il a reçu l'état bénédiction de ténèbres. Qu'est-ce donc? Cette bénédiction de votre saint patron confère un nombre de points de vie temporaire égal à la somme de votre modificateur de charisme et de votre niveau de démoniste. Why not? Rising from the dead just to protect some dusty baubles. Fools. Ouais, en plus, ça ne servait à rien.
Their trinkets may be worth a few coins all the same. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont sur eux? Ah bon, vous avez déjà fouillé, c'est vrai. Mais du coup, j'avais déjà fouillé le guerrier, non? Il était pas censé être à WAP? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un repos. Parce que là, on a quand même mangé. Oh mon dieu! Qu'est-ce qui t'arrive? Et t'es qui, toi? My, my, what manner of place is this? A patch of ground to call home. Some rest for the wicked, after all. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that, love, was that. They do know. C'est qui? Qu'est-ce que tu fais? I am Raphael. Very much. L'image bouge plus. Ouais, on a eu un problème de connexion. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On va mettre fin à l'épisode d'ici, puis bah ouais, moi je bouge. Et on se retrouve juste après. Désolé, hein. Bah, je vous spoiler, on a gagné le combat mais difficilement et on est parti faire un repos. Du coup YouTube, à la prochaine, des bisous.